tente encore et toujours et ça n'arrive pas. Cette fois c'est Lissarasu qui s'est jeté sur cette balle et qui la donne à son pote Dugarry. En retrait pour Richard Witschge, Philippe Lucas, et on recommence à faire circuler le ballon, à faire tourner la balle côté bordelais, d'autant plus que là ça sent quand même la fin du match et qu'on est en train de préserver le résultat. Bancarel, mais on est quand même à l'affût des coups. Si ça se présente avec Bancarel, pourquoi pas, qui peut centrer, tête piquée, troisième but. Le voilà, c'est encore Zidane qui marque, 3-0, et deuxième but de Zinedine Zidane, superbe dans sa conception. Et celui-là, assez étonnant, d'abord parce qu'il marque peut-être pas tous les jours de la tête, et on a eu l'impression vraiment qu'il assurait au maximum sa tête. Regardez Gaëtan, l'impression que c'est vraiment du contrôle. Il contrôle énormément ce coup de tête, c'est pas non plus sa spécialité, hein, c'est vrai. Zizou possède un bon jeu de tête, il a un bon timing, mais bon, il faut apprécier la qualité du centre d'Anthony qui est très fort, ce qui permet à Zizou de ne pas trop armer son coup de tête. Il met la tête bien en opposition, il applique au sol et Dominique Casagrande ne peut absolument rien faire. Ouais, match frustrant pour un gardien qui encaisse comme ça 3 buts absolument imparables. Et la joie du nouveau,